السلام عليكم، مرحبا بكم في المنصات التعليمية. أنا جد سعيد باللقاء بكم مرة أخرى، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وأرجو أنكم تكونوا تديروا الاحتياطات اللازمة للسلامة ديالكم والسلامة ديال الأسر ديالكم. شكرا، إن شاء الله Aujourd'hui, on va بالتوفيق إن شاء travailler الله. sur un template. D'accord? On va faire un petit rappel concernant comment utiliser un modèle, un template, et comment ajouter des balises HTML5. Alors, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait la balise iframe? Iframe. Vous avez une idée? Non. Non, monsieur. Non. La balise audio. Non. Non. D'accord. Alors, c'est bon. Alors, où est-ce qu'il est parti, le Hamza? On ne le voit plus. Hein? D'accord. Alors, ce qu'on va faire d'abord, donc, je vais partager avec vous cet écran. Donc, vous voyez cet écran-là. Donc, on va essayer de faire un peu de... Voilà, ça, c'est un template. D'accord? Il comprend un certain nombre de pages. Et en bas, il y a un texte, un tableau, il y a des liens vers YouTube et il y a une vidéo ici. Donc, on peut la lancer. Donc, la vidéo, elle fonctionne. D'accord? Elle parle, bien sûr, d'un cours particulier. On a un formulaire HTML5. On a une liste de checkbox. Et en bas, on a un podcast. Un podcast, c'est un contrôle qui permet de lire les MP3. C'est-à-dire, si vous faites comme ça, donc vous pouvez lire, par exemple, un MP3 avec le réglage de volume, d'accord, et tout. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui. D'accord? Alors, ce qui va se faire maintenant, donc je vais partager avec vous un autre écran, un deuxième écran. C'est-à-dire, donc on va prendre un navigateur. D'accord? Et là, on va voir qu'on peut chercher sur Google comment trouver, par exemple, des sites web particuliers. Là, pardon, plutôt des templates. Ça veut dire, si je viens ici, je fais une recherche rapide sur Google. Donc, vous pouvez taper des mots-clés pour trouver des templates. Alors, pour ma part, moi, j'ai déjà fait, donc j'ai téléchargé. Vous pouvez créer comme ça, template, HTML, par exemple, HTML simple. Alors, que veut dire template? Un template veut dire tout simplement un modèle. D'accord? Un modèle de site web. D'accord? Par exemple, si je clique là, donc il va m'afficher un certain nombre de pages, de modèles que je peux télécharger et que je peux normalement utiliser. D'accord? Ce sont des modèles de pages web, etc. OK. Alors, vous, ce que vous allez faire, soit vous utilisez le modèle que je vais vous donner, soit vous téléchargez vous-même vos modèles. OK? Donc, il y en a plusieurs dizaines de sites qui proposent ces templates. D'accord? Au fait, un template, par exemple, là, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que vous aurez téléchargé un template. Donc, souvent, c'est un fichier zip, par exemple celui-là, smashtemplate.opl. Donc, c'est un fichier zip. Donc, si vous décompressez, donc vous allez trouver qu'il y a une page HTML avec un fichier A7 où il y a du CSS, du JavaScript, etc. Et ce fichier-là, il comporte du code HTML. Alors, ce code HTML, vous pouvez le modifier pour l'adapter à votre site web. D'accord? Alors, moi, je vais utiliser l'éditeur Sublime. D'accord? Je vais utiliser Sublime. Donc, j'ai ouvert la page index du template. Alors, cette page, elle contient plusieurs centaines de lignes. OK? 1000 lignes. Hein? 1000. OK? Donc. Bon, moi, je ne vais pas utiliser les 1000 lignes. Donc, je vais la modifier pour, bien sûr, l'utiliser dans un projet particulier. Alors, comment je vais la travailler? Alors, premièrement, donc, il y a la partie slider. La partie slider, c'est les images qui passent en haut, la bannière qu'on trouve en haut. On appelle aussi le carousel, là, le slider. Okay. Donc, ça veut dire que ce slider, il contient la première image, elle est là,
on voit le titre de l'image, le texte, hein, et on voit bien sûr le contenu, son contenu. Donc, vous voyez là, il y a une image qui s'affiche. Ensuite, il y a la deuxième image. Si vous cliquez sur suivant, vous allez voir la deuxième image, elle est là, 3.png, et avec les textes de l'image. Et la troisième, etc. Bon, moi, je ne vais pas changer ça, mais je vais aller directement vers le contenu. Alors, vous allez chercher la div où il y a container, c'est-à-dire le contenu. En fait, ça, c'est le corps de la page web. C'est le contenu, le principal. Donc, tout ça, on va le supprimer. Alors, on va supprimer tout ça, depuis la ligne 261 jusqu'à la fin de la balise container, la fin de la div container. Je vais aller. Et encore vers le bas. Là, je pense, voilà, container, ça s'arrête là. Vous voyez, fin div container, ça veut dire toutes ces lignes, je vais les supprimer, comme ça. À la fin, j'aurai début de la classe container, fin, bien sûr, de la classe container. Donc, la div, c'est là où vous devez mettre le contenu de votre site web. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, vous savez tous, par exemple, faire un H1, table, etc. Donc, je ne vais pas trop y revenir. Mais je vais tout simplement faire un titre ici. Bien sûr, vous pouvez ajouter votre code PHP. Alors, ce genre de page, s'il y a une page qui affiche le tout, on l'appelle landing page. Landing, ça veut dire atterrissage. La page d'atterrissage. Donc, la première page qui s'affiche dans le site, on l'appelle landing page. Ou là, la page d'accueil. Dans, mon site web. OK, donc je fais fin H1. Et par exemple, on peut faire ici, pour rappel, par exemple, on peut insérer un lien d'une vidéo YouTube. Alors, une vidéo YouTube, pour que vous puissiez bien sûr avoir le code d'une vidéo. Alors, je vais aller vers YouTube. D'accord, par exemple ici. Donc, j'ai une chaîne là. Peut prendre une vidéo, par exemple celle-ci. Alors, lorsque normalement vous voyez, vous regardez une vidéo sur YouTube, vidéo normale, donc je vais revenir en mode normal de YouTube. Alors, lorsque vous voyez une vidéo, vous pouvez capturer le code de partage, le code d'intégration. Donc, un code d'intégration, c'est quoi? C'est le code qui va vous permettre d'avoir le code HTML de la vidéo. D'accord? Donc, n'importe quelle vidéo. Par exemple, cette vidéo-là, donc peu importe le contenu de la vidéo, il y a quelque part le bouton partage. Et depuis ce bouton, vous allez trouver qu'il y a le code intégré. Intégré, donc il va vous donner le code iframe. Vous pouvez sélectionner tout ce code, le copier et bien sûr le placer dans votre code Sublime. C'est-à-dire, je vais venir ici, je vais coller le code de YouTube. Alors, remarquez iframe width height, donc le cadre où il va s'afficher la vidéo, donc il a une largeur et une hauteur. Ça, c'est le code, le lien de la vidéo. Ça, c'est le code identifiant de la vidéo. OK? Donc, vous pouvez ajouter la bordure. Vous pouvez ajouter, bien sûr, est-ce que vous voulez accélérer la vidéo ou pas. Autoplay, c'est true. Donc, si vous faites égal à false, il ne va pas se jouer automatiquement, etc. Donc, ce code-là, on l'appelle le iframe. Alors, souvent dans les sites web, on trouve un texte, un contenu. Alors, pour notre site, actuellement, je n'ai pas un contenu précis, mais je veux ajouter un texte pour remplir le vide. Donc, on appelle ça le faux texte. Le faux texte. Alors, le faux texte, c'est quoi? Alors, si vous voulez avoir une idée sur le faux texte,
Alors, vous allez, par exemple, aller vers un site web, par exemple celui-là. OK, donc vous allez faire une recherche. Alors, vous allez écrire sur Google ce mot-clé-là. Alors, les faux textes, ils ont un nom technique qui s'appelle lorem ipsum. Lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est un nom en latin qui signifie un générateur texte. Donc, vous pouvez ne pas écrire ça, vous pouvez écrire faux texte aussi, ça marche. Faux texte, si vous voulez, qu'il vous donne en français. Alors, ce qui se produit, par exemple, là, si je clique sur ce premier lien, alors je vais trouver qu'il va m'afficher un site web. Voilà, c'est un générateur de faux textes aléatoires. C'est-à-dire, il va vous donner le choix, tu peux générer, il va fabriquer un texte pour vous, pour que vous puissiez remplir le template, le modèle de votre site, en attendant d'avoir un texte réel. Okay, donc, vous pouvez choisir à générer ce que vous voulez. Vous pouvez aussi générer des codes, par exemple, issus d'acteurs, c'est humoristique, pour faire rire, etc. Donc, par exemple, si je veux générer un paragraphe aléatoirement, donc je clique sur paragraphe, donc il va me créer un faux texte. Voilà, le voici. Donc, ce texte a été créé par un robot. Donc, un texte qui ne dit rien. Donc, si vous lisez, vous n'allez rien comprendre. Mais il a été fait en respectant les combinaisons entre les voyelles et les consonnes. Mais qui ne veut rien dire du tout. Alors, ce texte-là, je vais le copier et je vais le placer quelque part dans mon Sublime Texte. Par exemple, ici, une fois que j'aurai affiché la vidéo, je vais faire la balise P et je vais mettre le faux texte que j'ai trouvé, par exemple, fin P. Donc ça, c'est un paragraphe. Donc on peut séparer la vidéo et les textes par des breaks, des retours à la ligne. Comme ça, ils ne vont pas être collés les uns à côté de l'autre. Bien. Alors ça, c'est la deuxième chose à savoir. Comment faire une vidéo depuis YouTube et comment faire un faux texte. Alors, la troisième chose qu'on va voir ensemble, c'est comment faire un audio, comment faire un podcast. Par exemple, ici, je vais faire des séparations. Donc, vous savez, j'espère que vous savez ce que c'est qu'un podcast. C'est lorsque vous enregistrez un audio au préalable et vous le publiez sur Internet. Dans un site web, on appelle ça les podcasts. Par exemple, on les trouve dans les radios, etc. Tu peux revenir et entendre, écouter une émission radio qui a été déjà diffusée. Okay? Alors, pour faire cela, donc, je dois normalement utiliser la balise audio. Donc, la balise audio, c'est une balise HTML5. Tu écris comme ça, audio, tout simplement. Fin audio, d'accord? Alors, cette balise, elle a besoin de certains paramètres. Alors, si tu veux afficher le réglage du volume, stop, pause, etc., donc tu peux ajouter comme paramètre. Donc, paramètre, ça veut dire à l'intérieur de audio ici. Contrôle, tu peux ajouter contrôle. Elle laisse comme ça, donc il va te faire les contrôles de base, c'est-à-dire play, volume. Alors, le plus important, c'est la source de l'audio. Alors, la source de l'audio, on doit la mettre à l'intérieur de la balise audio. Donc, source, SRC, type. Vous voyez? Source. Donc, où est-ce qu'elle se trouve et quel est son type? Alors, vous devez avoir au préalable un fichier MP3 ou un fichier WAV, par exemple. Donc, là, vous mettez dans la source le nom du fichier. Par exemple, moi, j'ai un fichier qui s'appelle musique. MP3. Et si c'est un fichier MP3, alors là vous devez écrire c'est un fichier compressé, un fichier codé. Alors vous devez écrire comme ça, MPEG, hein, type MPEG. Donc ça va permettre normalement d'exécuter un audio, hein, au sein de votre page web. Alors je vais essayer de voir comment je peux faire ça. Donc je vais essayer de partager avec vous un deuxième écran. Donc le deuxième écran qu'on va voir, donc c'est pour comment
mettre un fichier. Voilà. Donc, ça, c'est le template qu'on a téléchargé. OK. Et sur ce template-là, on peut, par exemple, mettre le fichier MP3. OK. Alors, moi, je vais juste m'assurer de l'endroit parce que j'ai téléchargé plusieurs. Voilà. Alors, ce fichier-là, index, il se trouve ici. Donc, je vais m'en assurer qu'il s'agit bien d'un dossier. Voilà, donc ce fichier, il est là. Donc, je viens de modifier. Alors, j'ai besoin du fichier MP3 pour le mettre à côté. Alors, parce que si j'exécute maintenant, si je l'exécute tel quel, voilà, donc la page, c'est une page Bootstrap. Donc, Bootstrap, vous savez, donc, c'est travailler sur les pages responsives. D'accord. Voilà, donc je vois là, donc la page, le titre que j'ai mis. Et vous voyez que la vidéo, le iframe qu'on a inséré tout à l'heure, vous arrivez à voir la page, non? Attendez, je vais partager avec vous le... Voilà. Vous arrivez à voir la page, Jacques. Donc j'ai le template, il est là. Oui, monsieur. On a le H1. On a le iframe. Alors, le iframe, c'est ça. Donc, il permet d'exécuter l'application YouTube à l'intérieur de votre page web. D'accord? Donc, là, donc, j'ai une exécution normale. C'est mon iframe. Et en bas, on a fait le faux texte. Vous voyez, le P, le faux texte, il est là. Et là, il me dit que le fichier n'est pas pris en charge. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis le MP3 dans le même dossier que la page web. D'accord? J'ai pas mis le MP3. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, là, je dois mettre ici le MP3. Alors, le MP3, où est-ce que je vais le trouver? Donc, je vais faire une petite recherche. D'accord? Voilà, il est là. Musique.mp3. Je vais le copier. Je vais le coller avec le index.html. D'accord, maintenant je vais essayer de revoir la page qui était affichée. Je vais l'actualiser encore une fois. Voilà, maintenant vous voyez que le podcast, il marche. Le lecteur audio, voilà, il marche. Bon, je ne sais pas si vous écoutez ou pas, mais le son... On l'entend, d'accord? On peut l'entendre. Ok, donc il suffit juste d'ajouter ici un titre, donc le podcast. Alors je vais revenir à mon Sublime Text. Alors là, je vais ajouter un titre ici. Donc par exemple, un H2. Je vais faire podcast. Et j'enregistre. Et bien sûr, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme contrôle. Par exemple, un formulaire, si vous souhaitez, par exemple, pour le contact. Donc, rappelez-vous, les formulaires, ils sont faits pour inviter les gens à être réactifs dans un site web. Voilà, donc, je pense qu'on est arrivé à la fin. Donc, inch'Allah, tu connais au khair pour la. Merci. Pour ce qui reste de la confination. Prenez les mesures de précaution, donc le salam ou le aman. Oh, Au revoir.